system of neural activity that creates our world, there is no difference between dreaming. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Yeux dans les yeux. Aujourd'hui, nous recevons un invité important, illustre invité qui nous vient des États-Unis. D'abord, il est venu pour cette histoire de deuil, de ce qu'on appelle aujourd'hui héros national. D'abord, on va en parler. Il a profité pour cette occasion pour faire une pierre deux coups. Alors, la pierre deux coups, aujourd'hui, on va parler de la politique. On va décliner sur, bien sûr, la mort, les décès de Papa Mbaké, que vous avez connu. Très bien. On va parler de l'actualité brûlante, l'actualité qui se passe aujourd'hui, une zone de théâtre, on peut dire ainsi, dans le Katanga. Alors, pour commencer d'emblée, M. Georges Aloula, je vous présente. Vous êtes pas, on ne peut pas vous présenter, vous êtes partout, vous aimez les médias. Et dans les médias, on vous voit parler du Congo. Vous aimez les Congos, vous avez étudié en RDC, vous allez expliquer votre parcours. Donc, on va travailler sur trois pans de votre vie. Le premier pan, c'est votre vie familiale, le deuxième pan, votre cursus, et le troisième pan, votre politique. Et vous êtes président d'un parti politique. Unique. Vous battez d'ailleurs avec Vital Kamerhe pour récupérer la paternité de ces termes, UNC, unique, etc. Vous allez en parler un peu de ça. Okay. Alors, dites-moi, Paris, ville lumière. C'est d'abord un grand plaisir, Roger Bongos, de vous retrouver. Je dirais aux téléspectateurs de Afrique Rédaction que j'ai eu l'avantage, l'honneur de vous connaître beaucoup plus jeune. Et je suis très honoré. Il faut expliquer aux gens d'ailleurs, parce que les gens ne savent pas trop. On a fait Kassavuvu, le Bissouban à Kassavuvu, Dendal, Mwana Matongue, et puis donc le village Molokai en fait. Tout à fait. Donc Massimani, Mbao, Chouelokola, Makanakanda, Inzia. Voilà. Donc tu vois, on s'est connus. Donc, c'est un plaisir de vous revoir à Paris. Je suis un ancien Parisien. Depuis quelques années, je suis plutôt aux États-Unis, à Washington. Et comme on dirait, quand je passe par Paris, c'est cette reprise de contact, que ce soit sur le plan social, puisque vous m'avez parlé de mes enfants. Je suis père de famille, je suis père de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. J'ai aussi de step son, comme tu vois, et d'autres en anglais. Donc, j'ai trois autres enfants qui sont les miens, que je... Vous ferez pas comme papa, on va quand même 34 ans. C'est plutôt quand on récompose une famille, tous ces enfants sont les miens. La famille est recomposée, bien entendu, c'est vos enfants, bien entendu. Donc, on est du matriarcal, oui. Par définition, donc, on récupère des enfants qui viennent de partout, de nos sœurs, etc., nos femmes aussi d'ailleurs. Je suis grand-père une fois, j'ai une petite géniale petite fille qui s'appelle Ayla. Et donc je pense qu'elle est la première d'une série qui va peut-être commencer. Mais en tout cas, je suis marié, je ne suis pas un singleton qui vibre dans l'air. Et voilà si je peux dire sur le côté familial. Sur le côté parcours. Mon parcours a commencé, je suis né à Kisangani en 1957, 3 ans avant l'indépendance. J'ai eu l'occasion ou la chance, la famille a eu l'occasion ou la chance de côtoyer des grands oncles, effectivement Patrice Emery Lumumba lorsqu'il était à Kisangani. Ah, c'était une chance, c'était une grande chance. Oui. Donc je pourrais dire que à mon âge, quand j'ai atteint 7 ans, la guerre de rébellion qui a éclaté à l'est du pays, et qui a coûté la vie à beaucoup de membres de ma famille, a fait que, dès le premier cessez-le-feu, nous avons quitté, la famille a quitté Kisangani pour Kinshasa, où je ne suis plus jamais revenu. Donc pour dire que mon retour à Kisangani, je le prévois, je le veux vraiment le plus tôt possible. Et je suis arrivé dans la commune de Dendal, Kassavuvu, j'ai été à l'école Christ-Roi, ensuite jusqu'en 5e primaire, puis nous avons déménagé vers la commune de Kalamo, à Yolonor. Et je suis allé à l'école Saint-Gabriel sur l'avenue Novanium. Et ça me rappelle beaucoup de choses. Et je vois tout ça. Donc après Saint-Gabriel, je suis allé à l'Athénée de la Gombe,
Donc, notre Athénée à nous. Athénée de Kalina à l'époque. Ouais. Et donc, j'ai fait tout mon cycle d'orientation. J'étais au CE2. Moi aussi sur le CE2. Hein, okay. On prenait le même bus. On prenait le même bus avec Marcotte après la rugby. Donc, bon, à l'époque, la terrain de la Gombe, on avait terrain de tennis, terrain de foot, piscine. Une question, alors on va rester dans cette question, rester un peu au niveau de Royal, de la Gombe, enfin Kalina et puis de la Gombe. Mm. Quand on voit Zoé récupérer cette partie-là, faire des immeubles avec, avec des Libanais, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, c'est totalement écœurant. C'est un peu écœurant parce que, vous savez, lorsque les gens débarquent, ils ne connaissent pas l'histoire de la terre, ils font n'importe quoi. La piscine, nous, c'était dans les cadres éducatifs, c'est-à-dire que ce n'était pas privé comme aujourd'hui, la piscine de l'Athénée, avec des abonnements, mais nous, c'était, on est à l'école, on va à la piscine. L'après-midi, ça peut être ouvert à tout le monde, aux membres du club, etc. Mais c'est là que nous, on apprenait à nager. Et on avait les parcours athlétiques autour du stade de l'Athénée où Foreman venait s'entraîner lors du combat de 74. Et donc on a eu les privilèges, tous les privilèges d'être sur le coup et de voir Foreman. La troisième section, on se rappelle ça. La troisième section, c'est le CO3. C'est le CO3, en fait, tous les mercredis et les samedis. Ouais. À 11h, on quittait l'école et puis Tomalin, etc. Donc, pardonnez-nous, hein, on est en train de remémorer un peu l'histoire de notre école Athénée de la Gombe. Kalina et Royal. Royal. C'est très important parce qu'il y avait tout un genre de vie dans ces quartiers-là. Mmh. Et puis ça ne s'arrêtait pas là. Donc ça voulait dire que les dimanches, ou les samedis, les concerts, ou les dimanches, cinéma. Ciné-Rac, Ciné-Palace, Ciné-Paladium. Voilà, voilà. Donc, on arrivait à se retrouver. La glace, on allait sur la terrasse. Et c'est lorsque l'Intercontinental est arrivé, c'était les salons Zaïre, ouais. Etc. Donc, c'est pour dire vraiment que tout ça va dans Mbokana. Tout est bien. Tout est bien, et on est sorti pour apprendre. Et malheureusement, les cours de l'histoire ont fait que tout est militaire au Liban, mais maintenant, on est prêt à rentrer, quoi. Prêt à rentrer. Voilà, alors donc, on voit un peu le parcours. Alors, on vous appelle docteur Georges Aboula. Alors, dites-moi, le doctorat en médecine, en biologie, en chimie, alors dites-moi. Ok, donc j'en profitais pour donner ce parcours que j'ai coupé. Parce que les gens souvent, voilà, docteur Aloula, on ne sait pas, c'est un docteur en médecine. Je suis docteur en pétrochimie. Voilà, c'est pour ça que je parle en chimie. Donc, après l'Athénée de la Gombe, les niveaux d'éducation que nous avons eu dans ce pays-là ouais. Étaient extraordinaires. On avait des sections. Physique et maths physique. Voilà, et nous qui étions en biochimie, voilà. On faisait des tests avec des produits chimiques. Sur place. Il y a les laboratoires de physique voilà. Qui étaient en bas, on passait dedans aussi, mais comme en biochimie, on faisait des tests réels sur ce qu'on a étudié. Ce qui fait que, sorti de l'Athénée de la Gombe ou des autres écoles au Congo, à cette époque-là, on pouvait rentrer dans n'importe quelle école d'ingénieur ou n'importe quelle école de métier et commencer à réussir. Donc j'ai eu la chance de sortir et de venir en Belgique, où j'ai fait Mons pendant 2-3 ans pour avoir mon diplôme de candidat ingénieur en chimie et avec une formation de base d'ingénieur qui vous fait passer de l'électricité au commerce, l'anglais, électronique, donc construction, donc mécanique. On a balayé tout et puis après on choisit une section. J'ai choisi la section chimie industrielle. J'étais obligé de partir sur Bruxelles, à l'ISIB, à la rue Royale, à côté du monument aux morts au centre de Bruxelles. Mm-hmm. Et là, dans ma dernière année, j'ai fait chimie nucléaire. Donc je suis allé à Louvain-la-Neuve au centre nucléaire de Louvain. Candidat recherché d'ailleurs et surveillé. Ce n'est que maintenant que je peux parler de mon ingénieur en chimie nucléaire parce que bon, à un moment donné, il fallait faire un petit peu attention. Donc après cette école d'ingénieur, je suis allé en France, un petit retour rapide au Congo qui n'a pas été concluant. Je suis rentré ici en France et j'ai fait mon diplôme d'études approfondies en chimie moléculaire et pétrochimie. Donc université de Nancy, une année. Ensuite, Nancy 2. Ensuite, ouais. On a fait tout le parcours, j'ai acheté ça à Nancy aussi. C'est à Nancy d'ailleurs. Waouh, c'est à Nancy, oui. Moi, je suis passé par là. Ensuite, je suis allé à Mons.
plutôt à Metz, et là j'ai obtenu. Bien sûr, c'est la même académie. Hein. C'est la même académie. C'est la même académie. On a fait des cours à Metz et à Chaudard et à Nancy. Et donc, j'obtiens une bourse de recherche au Centre national de la recherche scientifique comme, pour faire ma recherche sur le pétrole et dirigée par la deuxième personnalité qui concerne ces domaines pour la France, Madame Denise Cagnan. J'ai perdu les traces. En tout cas, merci pour le passage des connaissances qu'elle m'avait passées à cette époque. Et lorsque je termine mon doctorat à Metz, je reçois la Direction générale d'armement en France, me fait une offre pour me dire que votre place est là, mais sauf que vous n'avez pas la nationalité française. Et le jour où vous allez avoir la nationalité, votre place est ouverte. Donc je n'ai pas pris la nationalité, j'ai préféré garder la fibre congolaise. Très bien. Et ensuite, vient ma carrière. Donc j'ai commencé ma carrière. Pessin. Avant Renault, j'ai été un des premiers cadres africains, parmi les premiers cadres africains ici, pour ne pas dire noirs, ici en France, en tant que chef de projet chez Alcatel Cable. Alcatel fait partie du groupe Alcatel Alstom, qui est devenu Alcatel Lucent, 7 milliards de chiffres d'affaires à l'époque. J'ai fait 3 ans là-bas et ensuite je suis passé à la Banque Société Générale, où j'ai administré toute l'opération de la Banque Société Générale, toutes les opérations secrètes, etc., qui sont transférées à la Commission des opérations boursières, pour dire combien mon poste était sensible pendant 2 ans. Et ensuite, je bascule chez Renault, où j'ai eu 3 bureaux chez Renault, à Boulogne, à Rueil et à Guyancourt. Il faut aller vite parce qu'on va passer l'émission. Le parcours est long, donc je dirais que je suis sorti chez Renault comme responsable de 2 périmètres de l'entreprise, électricité et électronique de voiture, qui représentait environ 1600 personnes. Mais aussi, pour vous montrer, faire la jonction sur les États-Unis, j'ai inventé une pièce de voiture qui m'a amené aux États-Unis. Comme notre sœur qui a inventé l'automobile. Les automates ? Oui. Okay. Oui. Donc c'est sur ces chemins qui m'a amené aux États-Unis pour mettre ça sur le marché international. Voilà, vous voyez, nous avons un homme qui a un parcours, qui a un passé, qui a une vie, et qui ne tombe pas comme un cheveu dans une soupe, comme on voit aujourd'hui en RDC, les gens qui sortent de nulle part, qui arrivent en RDC. Alors, quand on part de nulle part, donc on va bien entendu rentrer dans le vif du sujet sur la problématique de la RDC. La RDC vit des moments terribles. À la croisée de chemin, on peut dire aujourd'hui, la RDC à la croisée de chemin. Alors, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, en regardant tout ce qui se passe, cette mise en scène théâtrale autour de la politique congolaise? Ça, c'est la première impression. Après, je poserai des questions assez claires. Il y a un certain nombre des acteurs qui sont tous en train de jouer le script, le scénario qui leur est donné. Et dans ces groupes de personnes qui jouent le scénario mis par un maître invisible, celui qui tire la marionnette, tu fais ça. Même la personne qui tire la marionnette ne connaît pas ses intérêts. Quand on voit la taille de la République démocratique du Congo, ce que ça représente en termes de richesse et de potentialité pour tout le monde, la solution préconisée montre cette carence-là. Et pourquoi cette carence est bénéfique? Bénéfique à ces gens qui pensent qu'en mettant ce système qui a conduit à 12 millions de morts dans le pays, le monde ne veut pas en parler. On donne des médailles à Dr Mukwege partout parce qu'on parle de viol des femmes et de violences sexuelles. Mais il n'y a pas que ça, c'est tout un génocide que nous sommes en train de vivre au Congo. On a vu les 17 nouvelles victimes à Beni pendant qu'on était en train d'enterrer Papa Wemba et à Beni, on est en train de tuer les Congolais. Les médias sont focalisés sur Kinshasa pendant qu'on est en train de nous faire des choses. J'étais le seul à rapporter, vous l'avez dit. Et donc, je pense que quand les gens comprendront ce que le Congo peut rapporter au commerce international, au monde entier, d'en prendre la réelle taille. C'est le carrefour, en fait, c'est le carrefour. Hein. Nous sommes la clé du commerce international, de la stabilité et de la sécurité dans le monde. D'accord. N'oubliez pas que l'Iranium, qui a arrêté la deuxième guerre mondiale, venait du Katana, de la RDC. N'oubliez pas que les coltans, les téléphones que nous utilisons, sans les coltans, il n'y a pas de téléphone mobile. Sans les coltans, on ne peut pas aller à la Lune.
Alors, donc, je repose, je reformule encore ma question. Vous avez répondu, bien entendu, je reformule encore. On va continuer à aller très très vite, je reformule autrement. En voyant ce qui se passe avec cette histoire de mercenaires mis sur le dos de Katumbi ou fabriqués autour de Katumbi, ou lui-même, il a bien entendu demandé service de ce qu'on appelle Blackwater. On va pouvoir parler de ça si on veut. Vous voyez quoi, tout cela? On veut sortir de l'ombre quelqu'un et le mettre sur l'orbite en disant, voilà, le vrai opposant de Kabila, c'est celui-là. Or, il y a des vrais opposants comme vous, par exemple, Merci. de Martin Fayoulou, des gens qui ont travaillé durement pour le Congo. Et on les oublie comme ça, et puis le lendemain, on vous sort du chapeau quelqu'un qui vient comme ça. Dans votre question, vous donnez la réponse et surtout de ce que les Congolais disent et de ce que les Congolais ont compris. C'est-à-dire que seulement ceux qui sont en train de faire cette caricature ou cette manipulation dont je parlais tout à l'heure ne les voient pas. Ne voient pas que les Congolais, avec le téléphone portable lié sur Internet, nous sommes informés de tout et nous sommes capables de pouvoir interpréter les faits et les gestes. Moïse Katumbi, la communication de Moïse Katumbi est très pauvre. Je m'explique. Even celui de Vital Kamerhe. On va parler de Vital Kamerhe aussi, hein. On va parler de tout le monde. Bon, je parle de façon générale sur ceux Mais il qui faut sont parler, hein. ceux qui Pas la sont langue de en bois, train pas la langue de. de bois, Non, pas la langue je m'exprime. Ce sont des personnalités qui ont été, entre guillemets, empoisonnées. Mais je ne sais pas si le poison qu'ils leur ont mis, c'est pour prolonger leur vie ou pour arrêter la vie, comme ça a arrêté la vie. Pardonnez-moi, laissez-moi rire un tout petit peu. Merci. Comme ça a arrêté la vie de Congolais que je peux commencer à citer en prenant l'exemple d'une seule exemple, Samba Caputo. Lui, par contre, il a été empoisonné. Donc, ça, c'est du vrai poison. Et les autres, ils ont été dans un laboratoire, ils ne donnent pas l'adresse aux autres pour nettoyer les poisons dans leur corps et reprendre et commencer à faire la course à la présidence. Donc, quand vous trichez, trichez bien. Quand ça devient trop visible, on ne peut plus vous croire. Ça peut tourner au ridicule. Parce que lorsqu'on fait une communication avec tous les moyens qu'on a, et surtout l'absence de programme, de gouvernement, de programme économique, de la majorité présidentielle, ils nous ont calqué en copiant le projet des INIC en 10 points, en faisant les 5 chantiers. Mais ils ne savaient pas que derrière les 5 chantiers, il fallait qu'il y ait des ingénieurs et des pilotes de projet pour que tout ça puisse se transformer en réalité. Vous prenez la communication de Moïse Katumbi. C'est parti d'un film, Katanga Business. À ce moment-là, on commençait déjà à préparer Moïse Katumbi pour la présidence. J'ai rencontré Thierry Michel, il peut les nier. Il peut donner les éléments. Vous avez fait un commentaire d'ailleurs au niveau sur Facebook en disant que Thierry Michel, il faut arrêter avec cette histoire de publicité autour De Moïse Katumbi. Voilà. Il n'a pas de programme, il n'a rien à proposer aux Congolais. Maintenant, si on va au Katanga sur la manière dont il a géré les Katanga, puisqu'on parle de ça comme dans un film, les championnats d'Afrique où Mazembe a gagné, les championnats du monde où Mazembe est allé participer, oui, nous tous, on aime Mazembe. C'est mon coéquipier avec lequel je joue au football. Santos Mutubila, qui fait partie des gens qui ont fait monter l'équipe de Mazembe. Maintenant, lorsqu'on regarde le côté gestion de la province du Katanga, allez, le président Kabila a dit en Swahili à Moïse Katumbi, c'est vous qui étiez gouverneur du Katanga. La pauvreté n'a pas changé. Par contre, vos camions sont tout le temps Kasumbalé, ça, et votre richesse est en train de monter. Et Moïse Katumbi est le seul riche Congolais qui peut avoir un yacht sur une rivière où il n'y a que lui qui circule. C'est quoi ça comme modèle de développement? C'est quoi ça comme modèle de leadership, de réussite? Dans une province aussi riche que le Katanga, il n'y a pas 10 Congolais millionnaires en dollars. Les millions en dollars ne viendraient pas nécessairement uniquement des commissions minières, mais de l'esprit du business déclenché. Toutes les personnes qui vont faire le business au Katanga se retrouvaient sous une barrière qui s'appelait le gouverneur. Alors, quand on voit hier. On a vu la mise en scène théâtrale autour de cette histoire du tribunal où il a été convoqué par les juges pour le notifier, en fait, sur sa mise en. Je sais pas, une histoire autour. C'est vraiment un flou artistique sur cette affaire de mercenaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Et quelques temps après, à la sortie, on voit rigoler avec Oui, Roubaix-Roy. oui, ils sont des membres d'une même équipe.
Laissez-moi décrire. Rigoler avec Robert Roy, oh, quand on sait que Robert Roy est le conseiller spécial de Kabila. Oui, bien sûr. Et ils font partie. Vice-président de la République, bien sûr. Oui, et ils font partie du système Kabila. Alors, comment on peut comprendre cela? C'est une équipe. Pour les comprendre, il n'y a que nous qui ne. Certaines personnes ne comprennent pas. Mais Dieu merci, beaucoup ont compris. C'est au Congo qu'ils ont coupé l'eau et l'électricité et détruit l'école. Mais ils n'ont pas coupé l'eau et l'électricité dans tous les pays où les Congolais vivent, c'est-à-dire dans la diaspora et dans les pays développés dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire notre éducation a continué. Nous sommes l'oreille, la bouche et les yeux de la République démocratique du Congo. Ils ont floué notre population. Moïse Katumbi, opposant, on a fait un flou dans notre pays. Le flou, c'est quoi? Entre le bleu et le rouge, il n'y a pas de violet. C'est-à-dire on vous fait croire qu'on est soit de l'opposition, soit de la majorité, on est en opposition, on est en bleu, en rouge, on est de la majorité. Et puis, quand quelqu'un quitte la majorité présidentielle, il devient bleu. I'm sorry. C'est dommage. On voit même en France, là où il y a la gauche, il y a l'extrême gauche, il y a les communistes, il y a... Quand on s'oppose à François Hollande, il y a le front de gauche, on s'oppose à François Hollande dans son camp. On s'est opposé à Nicolas Sarkozy du côté de la droite. Fillon, il n'est pas candidat de la gauche au prochain présidentiel. Il est candidat de la droite. Ils sont en train de partir sur les premières à droite. Pourquoi chez nous, on veut créer un flou pour dire que, ben écoute, c'est comme du noir et blanc, les couleurs de Mazembe. Ou bien on est noir, ou bien on est gris. Attendez, les gris, ça existe pour passer entre les deux. Nous connaissons qui sont les personnes qui côtoient les deux camps. La vraie opposition congolaise, qui n'a pas encore compris que le jeu, nous avons en face une équipe qui représente une sélection. Moïse Katumbi, moi je joue au football. Et quand il a parlé de deux pénaltys, deux faux pénaltys, pour lesquels il a crié « Wow, c'était gagné !» Gouverneur deux fois. Ok? Le troisième pénalty, il n'y a pas le gars de Kakombo. Kabila a tiré le troisième pénalty. Le pénalty est toujours faux. Mais c'est Kabila ne peut pas tirer ce pénalty. Il faut que ce soit lui qui tire le pénalty. Le premier pénalty, c'est Vital Kamerhe qui l'a aidé à faire. Le deuxième pénalty, Bochab. Le troisième pénalty, on prend l'ambassadeur d'Isaïr, je dis ça exprès, en Belgique. Vous êtes en train de dire que c'est une équipe alors? Totalement. Alors, et je vais vous expliquer l'équipe. Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas le pénalty. Je comprends. Et le troisième pénalty. C'est une métaphore que vous êtes en train de faire. Et c'est très important que vous compreniez que c'est une équipe. Allez-y. Je vous laisse le temps que les amis téléspectateurs puissent comprendre. C'est que le docteur Alula peut nous expliquer clairement la métaphore posée, entreposée sur ce qui se passe en RDC. On nous prend l'ambassadeur Mouva Sakania, qui connaît la Belgique, qui a vécu avec l'Union européenne, qui est un bon ami. Et on les met au PPRD à la tête. Et Moïse Katumbi, on les sort dans les G7. On en fait soi-disant un opposant. Et porter la couleur, au lieu de porter la couleur rouge de la majorité présidentielle, on lui change de maillot pour le mettre en bleu, faire croire aux gens qu'il est du côté de l'opposition, alors que c'est lui qui va marquer le troisième but. Le troisième pénalty, c'est sur lui. Alors, quand je parle de pénalty, comprenez le système de football européen. Parce qu'en Amérique, on appelle ça soccer. Mais le football européen, au numéro 1, le gardien de but, c'est Joseph Kabila. Au numéro 2, à droite, la défense, c'est Bochab qui a autorisé, qui a permis au deuxième pénalty d'être marqué. Au numéro 3, vous avez tous les services de sécurité dans lesquels vous retrouvez les Kalev, les Azares Urbero, les Bizi Makara qui tuotent les systèmes de sécurité. Au numéro 4, tout ce qui est militaire, l'armée. Il y a Bisengimana pour la police, on comprend la police, Kanyama à qui on fait jouer le théâtre, et Numbi et les autres qui sont aussi sous le contrôle des arrestes ouverts, ancien vice-président à la sécurité de notre pays. Au numéro 5, le ministre de la Justice n'est autre que Alexis Thambwe Mwamba, qui est l'ancien du RCD, qui dépend du Rwanda. Donc les Rwandais et l'Ouganda, pilotes, sont des coachs de cette équipe. Au numéro 8, nous avons Léon Kengo Adondo, président du Sénat, ancien faux opposant qui a pu gagner la tête du Sénat. Au numéro 8, nous avons Edo Mokolo, Opombo,
qui c'est un distributeur. La sécurité, c'est un contrôleur. Et l'attaquant de pointe de cette équipe-là, le numéro 9, c'est Vital Carrère. Au numéro 10, vous retrouvez Azaras Rubera, Bizi Makara, Nyaru Gabo et tous les systèmes rwandais qui sont au numéro 10. Le numéro 10, c'est distributeur buteur. Et au numéro 7, Moïse Katumbi. Au numéro 11, à droite, Aubin Minaku, Olivier Kamita, tous les anciens présidents du Parlement. Et donc c'est cette équipe-là, si c'est Moïse Katumbi qui marque, qui a gagné? C'est cette équipe. Si Vital Kamerhe marque, c'est cette équipe. Elle est où l'équipe congolaise? L'équipe de Bissot qui nous dit l'opposition congolaise, elle est où notre équipe? Oui, aujourd'hui nous avons Marte Fayoulou les CD, mais est-ce que vous avez déjà vu le match Vita Club contre l'équipe nationale d'Égypte, qui représente une sélection? On ne peut pas faire un championnat, l'équipe de Vita Club contre les Léopards. Mais je ne dis pas les Léopards parce qu'on doit former l'équipe de Léopards pour combattre cette sélection étrangère et tuyautée pour que nous regagnions notre souveraineté nationale. On peut compenser l'équipe. Mais je ne veux pas, je vais vous démontrer simplement que, au lieu que chacun d'entre nous dans l'opposition puisse dire « je battrai ce système », vous voyez tout de suite que vous êtes un petit rien par rapport à cette équipe composée d'aussi grandes personnalités qui jouent pour un intérêt commun, puisqu'ils ont mal géré, ils n'ont pas de bilan présenté au peuple congolais, ils nous amènent dans des systèmes de théâtre qui fait que même les médias français leur donnent la tribune à tout moment quand on le sollicite, vous n'êtes pas sur le terrain, mais non, la diaspora et Charles de Gaulle avaient commencé en Angleterre. Il faut tourner la caméra vers ceux qui sont à l'extérieur. Arrêtez d'avoir peur de nous. Alors, tournez la caméra, je récupère la balle au bon, tournez la caméra pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora. La diaspora, forte d'une masse de 7 millions d'individus, comment vous allez vous organiser? Il faut s'organiser parce que vous parlez sans qu'il y ait vraiment la vraie organisation. Il y a des têtes pensantes, il y a des gens intelligents. Les gens qui sont bardés des diplômes, l'exemple est bien là, l'exemple vivant est bien là. Alors, comment vous allez procéder? Donnez-nous en fait quelques outils, en fait, qu'on puisse aujourd'hui dormir tranquillement, parce que moi, mon oreiller est complètement troué, je ne peux plus dormir, j'ai des insomnies. Je me dis, où va le Congo? En réponse, je vous donne la composition de l'équipe nationale potentielle, ce que vous voulez mettre en place, que nous pouvons faire pour dire que, ben, écoute, face au système que je viens de décrire, qui peut jouer le rôle de Kengo Adondo? Compensé? Honoré Nguanda. Honoré Nguanda jouerait le même système, au poste où il y a Kengo. Les gens qui traitent avec Kengo Adondo vont être devant Honoré Nguanda. Il est un peu décrié, non? Non, laissons tomber ça, on dit, on va rassembler. Allez-y, je ne parle plus. Oui, hein. On va rassembler les Congolais. Voilà, allez-y. Et on va se pardonner. D'accord, allez-y. On va se pardonner parce que de l'autre côté, ils se pardonnent. Vital Kamerhe continue de travailler avec Kabila Malgué qui l'a viré. Sans laisser. Moïse Katumbi n'a pas été arrêté comme on a arrêté Diomi. Sans laisser aussi. Donc je vous donne quelques éléments pour dire que les noms que je vais citer peuvent bousculer les gens, mais les gens doivent comprendre que j'ai mis mon intelligence, notre intelligence en route pour que nous puissions dire Congolais aux armes. Allez-y. Ok. Numéro 7. Je commence avec l'équipe. Je donne l'équipe, mais je ne vais pas les donner dans l'ordre comme je l'ai donné parce que c'est sensible comme information. Je vais escamoter aussi des noms. Numéro 7, moi je peux jouer le rôle de Moïse Katumbi, au numéro 7, c'est-à-dire l'affronter. L'autre équipe, numéro 7, c'est Moïse Katumbi. Moi je suis le numéro 7 de la sélection nationale, de Léopard. Et si je ne suis pas bon, si je ne suis pas à ce poste, puisqu'il nous faudrait trouver le candidat commun qui va être le gardien de but, pour le moment on ne les met pas. Mais au numéro 7, je peux dire que j'ai rencontré un type comme Bernard Katumpa, qui est en Afrique du Sud, qui peut, dans cette équipe-là, soit c'est Georges Alouda, soit c'est Bernard Katumpa. Je monte à l'extrême gauche, au niveau du Parlement. Nous avons des Congolais qui ont été élus en France et qui sont prêts aussi à revenir au pays. Ne vous gênez pas parce que nous avons eu le chef d'état-major de l'armée congolaise, qui était un Rwandais, James Kabarebe, il est rentré chez lui. Ok? Et il y a d'autres personnalités dans le monde qui ont vécu aux États-Unis et autres, qui ont eu des fonctions et qui sont rentrés assumer ces fonctions dans notre pays. Je ne vais pas citer de noms. Il y a des gens qui ont été au Parlement belge, au Parlement européen, qui sont... Je vois des femmes ou des hommes. Des hommes qui sont là-bas, qui sont capables de pouvoir rentrer et toucher. Mandaïla, Berthe Mampaka, Bamnijan Lumbala. Toutes ces personnalités peuvent rentrer, occuper ce leadership du Sénat et montrer au Parlement congolais que les lois, ce n'est pas de l'argent qu'on distribue en dessous pour faire passer des lois. On bosse.
Et les partenaires du Congo les connaissent déjà. Ils ne peuvent pas les faire peur. Au numéro 9, Martin Fayulu circule autant que Vital Kamerhe. Et au numéro 10, Azeras Rouberoua, je pense que c'est la personne qui peut les marquer, c'est Albert Moleka. Il a été directeur de cabinet de renseignement. Il est directeur de cabinet de président Tshisekedi. Il a aussi des entrées aux États-Unis. Et c'est un homme de Dieu. Parle plusieurs langues. Les National Prayer Breakfast du Congo ne peut pas se faire chez Azeras Rouberoua. Ça se fera chez Albert Moleka ou chez un autre leader congolais. Et à ce poste-là, nous pouvons avoir d'autres couvertures. Donc vous êtes le premier gouvernement Non, ce n'est pas le gouvernement. C'est d'abord l'équipe qui doit affronter l'autre équipe pour que nous puissions gagner. Et puis derrière, nous venons pour dire que ben, qui est fort en renseignement, les renseignements sont là. Nous faisons cette stratégie-là que nous mettons en place pour dire que, ben, écoute, si cette équipe a la chance de se mettre en place, revenons au numéro 4, au numéro 2. Numéro 2 de cette équipe. Dans le numéro 2 de cette équipe, il y a un type comme Gabriel Mokia. Gabriel Mokia va faire l'intérieur. Qui a fait la prison. Qui a fait la prison, donc il va faire l'intérieur. Il a fait sa déclaration en disant que voilà, entre Kabila donc, et Katumbi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est un cinéma. Quoi. Il a fait une déclaration hier. Et moi, j'aime ce monsieur. Il a un langage clair qui dit que, pardon, Topesi Bango Katanga va créer un compte dans Panama Paper. Bambon ou est dans le système d'éducation, Ezo Bimalibanda. Bambon ou est au hôpital, Bambon ou est au balabala et Bimalibanda. Tu peux savoir mon président, ça veut dire banque centrale, mais tu es aussi là. Congo aux Assous Congote. C'est-à-dire, comparé qu'on leur a donné les Katanga, ils nous ont appauvris au point que les gens se disent comment ces pays aussi riches peuvent se trouver dans une telle situation. Laissez-moi continuer l'esprit de cette équipe. L'équipe, le numéro 3 de cette équipe, nous avons eu des gens avec qui j'ai été dans l'IDPS. Un type comme Kabasele Chimanga, a été le secrétaire général d'IRCD. C'est un homme bien. D'IRCD. Il peut jouer au niveau des renseignements et de l'intelligence. Et il sera secondé par tous ceux qui sont combattants, qui veulent la défense et la sécurité de notre pays, à ce niveau-là. Et au numéro 4, c'est l'armée. Je ne cite aucun nom. C'est tellement sensible. Ouais. Les militaires, mais vous avez des noms. On a des noms, on a des gens qui s'organisent, on sait à qui appeler au moment opportun. Et au numéro 5, à la justice, je commencerai par donner un seul nom, le vice-président de la PARECO, Ndala Wandala, qui est en Belgique. C'est un intègre que je connais, c'est un avocat. Et tous les avocats qui ont défendu, qu'on a vu... Donc, deux de la PARECO. Non, pour l'instant, je ne fais pas attention à cette... Moi, je suis journaliste obligé de faire attention. Non, deux de la PARECO, pourquoi? Parce que Ndala Wandala, au niveau de la justice, pourquoi je symbolise quelqu'un qui a travaillé avec la justice belge et qui paye aussi... être en bonne intelligence avec les autres avocats qu'on a vu aller défendre Jean-Pierre Bemba à la Haye, etc. C'est-à-dire le système juridique congolais sera préparé et solide. On continue sur l'équipe. L'équipe que j'ai donnée, il y a la défense à droite, Mokia, à gauche, je donnais un seul exemple. Mais les services d'intelligence, on a des mondes qui sont déjà en contact avec le monde extérieur. Et il y a aussi des avocats comme Maître Réti qui ont travaillé sur le dossier pour faire connaître cette histoire de violence sur les femmes et d'ouvrir certains dossiers au niveau de la Cour pénale internationale parce que le génocide au Congo ne restera pas impuni sous notre leadership. Le problème, on risque à monter cette histoire de génocide, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des têtes. Vous savez, cette histoire où le docteur Mukwege est indexé à Kinshasa à cause de cette liste de 220 noms. Vous êtes au courant de cette liste, que voilà, donc à la tête de cette liste, il y a Kabila qui est parmi les génocidaires de la RDC. Alors comment faire avec les intérêts de multinationales, les occidentaux, par rapport à ce qui se passe en RDC? Vous croyez qu'on va livrer des gens comme ça? Il ne s'agit pas de livraison, mais il s'agit de rendre justice. Rendre justice à un pays. Rendre justice à un peuple. Rendre justice aux femmes congolaises. Aux familles congolaises. Beaucoup parlent de femmes. Moi, je suis un enfant survivant de la guerre. Avant que ma maman soit violée, il faut qu'on tue mon père. Il y a eu des gens qui ont été tués, les hommes ont été tués avant d'accéder au corps de leur femme ou de leur fille. Donc, c'est ce qu'on appelle le génocide. Dans les génocides, vous tuez des gens, vous tuez les hommes, les Congolais sont tués. Vous détruisez l'appareil génital de femmes pour qu'ils ne se reproduisent plus. C'est un génocide.
Vous enrôlez les enfants dans l'armée pour qu'ils quittent qu'ils deviennent des enfants soldats. C'est un génocide. Vous détruisez un pays en faire en sorte que l'eau potable et l'électricité deviennent une denrée rare pour que les gens meurent de toutes les maladies possibles, comme la situation au Congo. C'est un génocide. Et puis, éliminer le peuple à cause de leur appartenance ethnique, les Congolais à l'est du pays. Il y a eu des villages qui ont été détruits juste à Masisi. Par exemple, on 60, a vu 60% sont les personnes de la population rwandophone aujourd'hui. Donc, et tout ça dans le but de donner l'accès aux matières premières et que le pillage des ressources naturelles puisse continuer. Mais tous ceux qui ont participé à ce que je viens de citer devront faire face à la justice. Alors la justice, quand on parle de justice, on voit à peu près ce qui se passe en RDC. On voit la vie de tous les jours, on voit le prisonnier sont en prison, il y a la grande répression en RDC, il y a notre ami Diombi Nongala, on voit certains opposants politiques en prison, et les autres qui attaquent Kabila, qui sont du MP, ils ne sont pas emprisonnés. Comment on peut comprendre cela? Pour comprendre ça, il faut revenir à la notion de l'équipe, mais dans l'entretemps, montrer les différences. Pour arrêter Eugène Diome Ngongala, on n'a pas mis les gants. On l'a arrêté, fausse accusation, tout ce qu'on peut dire. Boum, la prison, Makala, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire la majorité présidentielle populaire, ce qui était un slogan assez puissant. Je reviendrai un pas en avant. Lors des élections de 2006, Fernando Coutinho, proche de Jean-Pierre Bemba, s'est fait arrêter avec la popularité qu'il avait dans la peur que il puisse faire gagner Jean-Pierre Bemba. On jette des armes chez lui. On fait le montage qu'il faut. Et chez Béa, on l'a attrapé avec des préservatifs alors qu'il était déjà, il respirait même plus, dans un taxi quelque part. Donc tout ça, c'est trop, trop beau pour être vrai. Et lorsqu'on va arrêter Moïse Katumbi, ah ben écoute, il y a la MONUSCO qui s'interpose, une invitation, une convocation, passez le week-end chez vous, les lundis vous venez pour parler au juge, etc. Non, c'est, vous l'avez dit, c'est du théâtre qui change de scénario, de metteur en scène. Parce que là, il peut faire un film, et là-dessus, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un type comme Diome Ndongala en prison, et de voir que l'IDPS, notre IDPS... J'allais en parler, mais, parce que c'était quand même un soutien important. Félix Tshilombo collaborait avec ces gens qui sont venus arrêter l'une des personnes qui ont fait que l'IDPS a pu avoir 42 députés au Parlement. Ben écoutez, soyons, c'est difficile à accepter comme solution ou, comment on appelle, shortcut, chemin court, un raccourci. C'est un raccourci. Et tout de suite après, puisque le scénario, vous venez, un acteur, on lui donne son script. Il ne lit pas celui des autres, parce qu'il doit déjà maîtriser les siens. On vous a donné des scripts, Félix Tshilombo et l'IDPS. Vous ne connaissez pas ce qu'on a donné comme rôle aux autres. Donc vous rentrez, et puis tout de suite après, la personne qui a fait « Pasinayo, Pasinanga, Pasinayo, Pasinanga » J'allais parler de cette histoire-là, on revient. La vidéo qui circulait, et tout le monde voyait, moi, j'ai une dame... c'est une plaisanterie, c'est une boutade d'ailleurs. En voyant cette vidéo, j'ai eu un rictus, c'est-à-dire un rire nerveux, si on peut dire en français, en voyant cette vidéo où il y avait Tshilombo, il y avait Vital et il y avait Moïse Katumbi. Dites-moi, si on va dans l'absurde, hein, si Katumbi venait d'être arrêté, est-ce que Tshilombo va se constituer pour la prisonnière? Pour la caméra, oui. Non, pour la caméra, il faut montrer qu'on est solidaire. On a vu, je ne sais pas si je me trompe, c'est Franck Diongo qui était à Lubumbashi aussi. Oui. Lorsque je vous ai parlé de l'équipe et que Azarès Roubaix, vice-président, nous, à l'époque, quand on grandissait, il n'y avait pas des Aïrois Tutsi. De tous ces Aïrois. Moi, je l'ai appris. De tous ces Aïrois n'existaient pas. Moi, j'ai grandi avec les bannières Rwanda. Et quand moi j'ai fréquenté la famille de Bixangimana. J'ai parti là-bas parler en Kinyarwanda. Et aujourd'hui, une partie des membres de cette famille sont à Kigali. Donc il n'y a pas de mal à devenir Congolais par naturalisation. Mais il faut respecter la loi du Congo. Il faut aimer le Congo. L'équipe nationale que nous voulons mettre en place, c'est l'amour du Congo qui doit être le premier point. Il faut montrer à nous la Congo pour avoir l'équipe. Alors quand on voit
Denis Sassé-Nguessa, tous ces gens derrière Frank Diongo, vous venez de les citer, derrière Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une trahison ou bien c'est la patte gain? Kozanga koyeba za liwa ndambo. Kozanga koyeba bande konanga za liwa ndambo. Donc on dit que c'est les maturités politiques, en fait, c'est ce que dit. Écoutez, tout de suite, c'est les comparaisons qui n'ont rien à voir. Pour moi, c'est grave. Comparaison n'est pas raison, bien entendu. Oui, mais ce qui est grave pour moi, c'est que ces gens prennent des décisions alors qu'ils touchent encore 6 000 dollars par mois. Plus que ça, 13 000, ça monte. Yes. Avec, la commission, si il y a des commissions, tout ça, ça monte jusqu'à... Et les gars qui touchent 50 dollars ou 100 dollars, qu'est-ce qu'il va faire? Vous qui touchez 6 000 dollars... Vous êtes incapable depuis une année de sur les 72 000 dollars pour vous toucher. Vous êtes incapable de faire de la réserve pour que vous soyez capable pour être député de Kasangoulou ou de Kimwenza. Vous n'avez pas besoin de passer plus de 30 000 dollars. En 5 ans, 30 000 dollars par d'économie, ça représente 60 mois, ça fait 200 dollars par 200 ou 2000 dollars par mois d'économie et ça vous rend autonome. Vous n'avez pas à courir derrière Moïse Katumbi pour vous faire élire à Kasangoulou. Et dans l'entretemps, les Katanga de Moïse Katumbi, c'est quoi? Alors, ici, c'est quoi? C'est Martin, le taximène licencié en sciences économiques, qui est harcelé par le système policier qui s'est immolé pour dire que, écoutez, j'en ai marre. Et c'est le gouverneur de cette province pendant 11 ans, c'est qui? Ce qui est pour moi, je m'excuse les termes ridicules, je ne veux pas me fâcher. Quand le gouverneur du Katanga devait rendre visite à la famille de ces messieurs, ils ont eu le courage de les filmer. Mais il fallait qu'il laisse la voiture à Perpète les oies pour qu'il arrive à cette famille. C'est ça le Katanga. C'est ça l'image que Thierry Michel ne pourra pas montrer aux gens. On veut nous donner l'image du cinéma qu'il a été reçu par les Américains, les entreprises machin. Alors, les entreprises, il y a Tengi Fugurume, qui est une entreprise, enfin, pas une entreprise, une firme, une multinationale américaine, puissante, qui est derrière cette affaire de Moïse Katumbi. Cette multinationale était derrière Kabila. Aujourd'hui, on n'en veut plus que Kabila parce qu'il traîne beaucoup de casseroles. On veut remplacer par Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous pensez? L'absence de vision ferait que ce choix soit valable à partir du moment... Ça, c'est une information précise. Hein, c'est oui, mais l'absence, quand je dis absence de vision, ils ne connaissent pas la vision que nous leur apportons pour les Congos de demain. J'étais au sommet... Mais quel travail vous faites-vous au niveau de lobbying pour pouvoir barrer quand même la route à tous ces multinationales qui veulent encore remettre encore bis repetita avec cette histoire de quelqu'un inconnu autour de la gestion de la gestion de la RDC? Quand je suis à le sommet nucléaire... Vous allez parler de ce que vous avez copié, là, vous parlez de ça en même temps. J'aimerais donner le deuxième volet, puis on reviendra sur Tanguy Fungumba. Voilà. Le deuxième volet de la gestion de Katumbi, c'est les militaires congolais impayés en Aymar et attirés sur trois de ses officiers supérieurs et dire que c'est dommage pour la famille et les familles des victimes. C'est dommage pour les familles des victimes. Mais on peut noter aussi qu'on n'a pas vu là où se sont fait les deuils de ces officiers supérieurs. On dit que leurs corps sont rentrés au Rwanda. Ça, c'est la gestion de Moïse Katumbi. Et lorsque vous avez un territoire aussi grand que la France, en faisant deux ponts sur une rivière, ça ne fait pas le bilan de votre réussite en 11 ans de gestion du pouvoir. Si on pouvait comparer les Katanga avec les Rwanda, depuis 11 ans, il faut aller voir ce que Paul Kagame a fait avec les ressources minières du Congo et ce que Moïse Katumbi et son équipe ont fait au Katanga. Il n'y a pas photo. Et que ce soit en 2011 ou en 2006 ou en 2011, je n'ai jamais vu un seul programme qui porte le nom de Moïse Katumbi, ma vision pour les Congos. C'est plutôt un film rêvé par les metteurs en scène Thierry Michel qui les ont mis en exergue. Il y a d'autres... Vous avez une dent contre Thierry Michel? Non. Je dis simplement qu'ils ont préparé trop tôt Moïse Katumbi pour la présidence, mais ils ne savaient pas qu'aujourd'hui tout le monde allait avoir un téléphone portable et qu'ils pouvaient lire sur Google tout ce qui s'est fait partout dans le monde. Donc il faut se mettre à notre page aujourd'hui. Tengi Fungurume? Tengi Fungurume, je suis allé au sommet nucléaire. À ce sommet, je n'étais pas inscrit. J'ai demandé mon inscription. Comme c'est très sécurisé, il a fallu que je rencontre le président
de l'Institut nucléaire américain, qui est venu me voir. J'ai dit, ben, écoute, nous, on a fourni l'uranium, je ne vous fais pas l'histoire. Je dois rentrer parce que notre pays est producteur et fournisseur de cette matière-là. Et il y a une seule personne qui était inscrite à la liste qui n'est pas venue à ce sommet. Ben, il me donne l'accès en tant que Congolais, leader. Je me suis présenté, candidat à la présidence. Il m'a autorisé. Mais je lui ai dit, ben, écoute, demain, le nucléaire congolais, l'uranium, on ne va plus l'exporter brut. On va tout transformer dans les pays. On a la technologie, la capacité, oui, etc. Oui. Je posais la question au niveau nucléaire, je sais comment ça fonctionne. Oui, il y a des, oui, des problèmes d'érosion. Écoutez, on ne va pas rentrer dans cette discussion sur l'érosion au niveau de, non loin de l'université de Louvagnium. Moi, j'appelle toujours Louvagnium, hein, parce que c'est toujours là. C'est son souci. Le premier souci, voilà, qui m'a parlé, écoute, je voudrais que ces liquides-là sortent, voilà, du pays. Okay? C'est le problème, c'est ça. C'est le premier souci. Mais il m'a parlé comme le maréchal nous a parlé. Il m'a dit, de mon vivant, ça ne se fera pas, la transformation de l'uranium dans votre pays. Alors je lui ai dit, ben, écoutez, vous m'avez répondu brutalement parce que vous ne savez pas qu'est-ce que nous préparons. Ce que nous préparons, c'est un projet de 140 milliards pour lequel nous allons mettre 33 milliards pour la défense et la sécurisation du pays et mettre 11 bases militaires dans notre pays et donc des bases militaires secrètes pour les stockages. Et ça fera la sécurité. Et la France, avec Areva et les compagnies spécialisées, vont s'installer pour la transformation. Et ainsi, nous aurions des bunkers de stockage, de l'uranium pour les médicales, l'uranium pour l'énergie, l'uranium militaire. Avec une armée congolaise réformée dans laquelle on met le processus de security clearance, l'habilitation défense, pour que les gens puissent avoir le niveau secret 1, secret défense, secret top secret, etc., dans notre pays, pour que les gens individus ne rentrent plus ou ne manipulent plus les informations qui sont sensibles pour l'intérêt de la nation. Et il m'a dit, ben, écoutez, voici ma carte, et si vous voulez une aide, je suis là. Alors, aide, donc moi j'ai besoin d'une aide. Quelle aide que j'ai besoin, c'est simplement que vous nous disiez là, devant la caméra, quel est votre programme. Le programme, c'est mon aide, c'est-à-dire que l'aide que nous allons aider le Congo aussi. Mm-hmm. Parce que si vous avez un bon programme, quelque chose d'extraordinaire, ben, il y aura des petits poissons autour de vous, et puis bon, vous allez créer tout un domaine autour, et puis qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens vont orienter leur regard vers vous, vers aussi la diaspora, et la diaspora sera forte, on voit la diaspora dispersée. En deux mots, parce qu'il ne faut pas être très long, en deux mots. C'est-à-dire que parlons sur les trois aspects. Le premier aspect, le social, la technologie pour ramener la valeur ajoutée au niveau de la croissance et bien sûr la sécurisation du pays. Trois aspects. La première, je prends le démarrage sur le plan social. Sur le plan social, dans notre programme, nous allons instaurer les allocations familiales. Pourquoi les allocations familiales? Parce qu'il faut reconstruire les familles congolaises. Nous sommes dispersés. Il y a eu des chégués dont les parents sont vivants. Certains ont perdu leurs parents. Il y a des parents qui voudraient bien retrouver leurs enfants. Avec l'ADN, nous allons pouvoir faire les analyses pour regrouper les familles. Première des choses, c'est dans ce programme, c'est de donner 25 dollars à une maman qui a un seul enfant. 25 dollars, le deuxième enfant 32 dollars, le troisième 40, jusqu'à un plafond qui va se situer au niveau de 50% du SMIC, que nous pouvons, au taux du dollar actuellement, de le mettre autour de 101 dollars, c'est calculé, 65 cents par heure. Mais demain, nous allons travailler pour que les francs congolais puissent regagner sa valeur par rapport au dollar. Donc lorsque vous l'inversez, vous allez tomber sur des chiffres assez importants en dollars. Les allocations familiales, les allocations d'handicapés. Nous estimons que 3% de la population peut être handicapée parce qu'ils sont dans les lits des hôpitaux ou ils sont nés avec des infirmités. Donc nous devons les prendre aussi en charge. Les allocations chômage, pourquoi? Parce que beaucoup de Congolais ont été formés, ils ne travaillent pas. Et nous sommes sous 80 millions d'habitants, ça fait 11 millions de familles. Et derrière, nous devons prendre en charge le workforce, les travailleurs. Nous estimons que dans les deux ans, le niveau technique de notre population va remonter et pouvoir assumer, après cette formation de deux ans, où nous allons avoir des forces expatriées ou pourquoi pas la diaspora
qui maîtrisent déjà la situation pour pouvoir rentrer au pays, occuper ses fonctions. Dans l'entretemps, on fait la formation en masse pour remonter le niveau d'éducation dans les pays. Et nous allons industrialiser totalement toutes les productions minières dans notre pays. Je prends un seul exemple, puisque c'est une distribution que nous avons faite. La Russie est connue pour sa capacité de produire, de distribuer les gaz. Donc, une collaboration avec la Russie sur l'extraction, la production, la distribution des gaz, c'est tout un marché. Imaginez les marchés de GDF France pour avoir l'idée, les gaz de France, pour avoir l'idée de la taille du marché ou du business que nous allons pouvoir créer. Du côté aujourd'hui de l'Ouganda et de l'Ouganda commençait déjà voilà. Sont déjà commencé. J'étais à Washington lors de la présentation de ce projet. Je lis les rapports des pays. Donc nous sommes absents, mais les Congolais, on va reprendre notre place. De l'autre côté, en termes d'industrie, puisque le point clé pour le développement, ce sont les infrastructures. Nous avons distribué comment nos marchés des infrastructures. Les Chinois, les Japonais plutôt sont très fort dans la fabrication des bateaux et dans la pose des ponts. Ce seront nos partenaires. Quand je dis partenaires, en fonction de la limite financière ou de capacité, pour que les autres puissent venir compléter nos objectifs. Les États-Unis, les compagnies aériennes et les compagnies automobiles, en compétition ou en concurrence avec les autres fabricants de voitures. Les compagnies aériennes, bien sûr, pour un partenaire aussi important que les États-Unis. Et pour la sécurité, nous voulons nous mettre sous, puisque le Congo est un membre d'une certaine manière de l'OTAN. À partir de l'uranium du Congo qui a fait cette guerre, nous allons nous rattacher sous les parapluies américains et les parapluies de grandes puissances pour que nous puissions apporter la sécurité dans les 33 milliards d'emprunts d'obligations d'État que nous allons lancer et qui va faire que nous puissions acheter des armes diverses dans ces différents pays et avoir les technicités qu'ils vont amener avec ces armes. L'axe Chine, Russie, Iran. L'axe Chine, Russie, Iran. Roger, je vais vous corriger une chose. En disant l'axe Russie, Chine, Iran, ça pourrait faire croire qu'ils sont opposés à l'autre axe, Western Union. C'est ce qui se passe. Occidental. C'est non. L'avantage d'être à Washington, c'est de voir. C'est ce qu'on appelle le pays non aligné. Le pays non aligné. Mais l'avantage, c'est de voir que la Russie et les États-Unis ne sont pas des ennemis et la Chine. Ils collaborent. Ce n'est pas moi qui ai appelé l'ambassade de Russie ou la Russie pour dire que j'ai un programme ou j'ai mis une ligne, venez pour les gaz. Non, c'est dans les services qui ont appelé la Russie pour envoyer une délégation au Congo pour aller voir ce que je disais, si c'était bon. C'est pour dire que même si on ne parlait pas, on travaille. Mais la Chine est un pilier de l'économie mondiale. Il fait partie de nos partenaires. Il fait partie de G8 et G20, pays qui vont venir investir chez nous. Quand je dis investir, c'est différent de l'endettement. Parce que les emprunts que nous allons lancer, nous allons les mettre sur les places boursières dans le monde. Ils ont mis une banque qui est aujourd'hui en compte maintenant, une banque qui va permettre, dans le cadre du BRICS, aider l'Afrique. Moi, je ne parle pas d'aide, je parle de mais business. Mais aussi, il y a besoin aussi d'aide. Oui, parce que oui, non, mais au niveau de business. Aujourd'hui, quand on parle d'aide, on récupère pour $1 investi au Congo ou en Afrique, on récupère $4 en inverse. Et l'Afrique continue à s'enfoncer. C'est pas ce discours-là que nous amenons. Nous amenons, on parle business. Et donc, quand on parle business, le Congo avec 140 milliards, nous allons pas dire aux Chinois de venir investir au Congo et d'avoir 100% de capital. Nous allons participer au capital. Dans les industries de pointe ou les domaines sensibles où la souveraineté de l'État est imposée, nous devons avoir la majorité. Mais en mettant l'argent notre part et en mettant les surveillances nécessaires. Nous allons créer une banque qui soit une banque congolaise de développement. Pas des banques offshore qui est au Congo. Une banque congolaise, parce qu'aujourd'hui, la politique monétaire de notre pays ne peut pas être menée avec des banques étrangères qui décident de ce que vous faites ou pas. Donc nous allons garantir les investissements à partir de cette banque. Alors, on va rester au niveau de social pour terminer la partie. On aura une émission à faire par rapport vraiment à votre projet, parce que j'ai des questions techniques. Assez technique, assez spécifique. Restons dans le cadre spécifique de ce que vous avez dit sur le social au niveau des allocations familiales, etc., le chômage, le
taux élevé de SMIC, tout ça, etc. Ça sera une première, de toute façon, en Afrique centrale. Où est-ce que vous avez trouvé ces fonds? Comment vous allez repartir ça quand on regarde un peu le budget national du pays? C'est pas très élevé, c'est moins de 10 milliards de dollars. Le budget de l'Angola, ça tourne aux alentours de 57 milliards de dollars. Comparaison, pas raison, hein, je l'ai dit, mais j'essaie d'indiquer, faire des indications. Où est-ce que vous allez en fait chercher en fait cette manne pour pouvoir, bien sûr, soutenir le social? Le coût du programme social dont je parle est de 80 millions de dollars par mois sur l'ensemble du territoire. C'est ça que j'ai dit, où est-ce que vous allez? Ça fait 1,2 milliards de dollars. Je parlais ici que nous avons un programme de 140 milliards que nous allons mettre en place. Sachez aussi que la RDC aujourd'hui, pour juste 1 milliard de dollars, la MONUSCO nous coûte 1,5 milliard. Donc, ce budget, une fois que le pays est repris en main, ces fonds qui vont partir sur la stabilisation, les réformes administratives et autres, plutôt militaires, pour sécuriser le pays, il y a le fonds qui proviennent de l'Union européenne que nous ne nous permettons même pas d'aller clamer ou d'utiliser parce que nous ne l'avons pas intégré. Donc ça c'est en attendant, ça c'est l'amorçage du programme avec les fonds disponibles déjà, que ce soit aux États-Unis ou au niveau de l'Union européenne, qui seraient mis à notre disposition. Ensuite, nous lançons ces obligations qui vont nous donner les cash de pouvoir lancer notre programme de logements sociaux sur l'ensemble du territoire. Alors, on va terminer avec la sécurisation, la protection territoriale. En fait, l'armée, la force de l'armée, la police, la police, et également, bien sûr, l'intégrité territoriale. En trois mots. La RDC, dans sa configuration de 11 provinces, va avoir une base militaire dans chaque province de façon à pouvoir riposter à toutes les attaques pour 2 semaines, 3 ou voire 1 mois. En toute autonomie, avant que les renforts ne viennent de l'extérieur. La RDC, dans sa position stratégique pour le commerce mondial, avec notre stratégie, nous rentrons dans la vision de la défense des intérêts de ces grandes puissances qui veulent la stabilité économique pour que le Congo puisse faire décoller toute l'Afrique entière à partir de notre pays. Du coup, les militaires dans un effectif qui se trouve autour de 80 000 ou 100 000 personnes, 100 000 hommes en uniforme, nous les passons dans l'armée à 300 000 hommes, ensuite dans la police à 300 000 hommes. Donc on sécurise la population, on crée les conditions nécessaires pour que le business dans notre pays puisse devenir comme faire le business avec tous les pays du monde. Les affaires ont peur du bruit de bottes, hein, on a toujours dit ça. Oui, totalement. Les bruits de bottes, et nous allons aussi investir dans les pays voisins. C'est-à-dire, dans notre programme, nous allons investir économiquement, étendre la toile dans les pays voisins, de façon à nous créer le climat de paix entre nos pays, et surtout une force de dissuasion à partir du moment où on ne peut pas attaquer la RDC si votre industrie dépend de la RDC. La sécurisation de notre pays, je compte sur les Chegué. Vous allez me dire, waouh, c'est quoi ça? C'est quoi un enfant qui dort dans la rue? Les enfants qui dorment dans la rue... Il y en a 25 000 apparemment. 25 000, ce sont de 25 000 bons soldats de notre pays. Parce que ces enfants, en dormant seuls, ont appris à... 25 000 à Kinshasa seulement. Hein, à Kinshasa seulement. Donc ce sont des enfants qui ont appris à se gérer tout seuls. C'est l'école de la vie. Comment leur donner la chance pour que cette haine-là qu'ils ont développée, la vengeance sur la vie, pour dire que si nous sommes arrivés là, c'est parce que ce territoire-là était poré, n'importe qui pouvait rentrer. Donc on va former nos enfants pour qu'ils deviennent nos forces spéciales. Parce qu'un enfant qui a grandi avec papa et maman n'est pas dans les mêmes conditions. Il ne prend pas les mêmes risques que celui qui est dehors, qui doit prendre, choisir à quel... Il a mal à la tête, il doit chercher les comprimés tout seul. Il n'a pas mangé, il faut qu'avant que la nuit tombe, il cherche à manger. Il n'a pas été à l'école, il voit les autres lire comment il fait. Nous avons vu jusqu'à Hollywood une fille qui était Chegué, qui en a donné la chance de s'élever à Hollywood et de dire que j'étais un enfant de la rue. La base de ma démarche à la présidence est partie de là, de la situation des enfants de la rue. On va au terme de notre mission, pardonnez-moi, on est resté un peu longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait des questions,
des zones d'ombre, tout ça, etc. Pardonnez-moi, il y aura une autre émission dans laquelle nous allons aborder cet aspect fondamental de votre programme. Mais pour aller vers la fin, dites-moi, le dialogue, que pensez-vous de tout cela? Là, on est en train de voir ce comité de pilotage, etc. Deux personnes là-bas, deux personnes là-bas et quatre là-bas. Enfin, des gens, l'IDPS veut s'accaparer de ces comités de pilotage avec sa famille, tout ça. Alors, l'IDPS, c'est une sorte de famille, alors, j'ai bien compris, hein, en fait, en disant ces trucs, ce comité de pilotage. Vous savez, les cigales et la fourmi, vous connaissez. Je connais bien entendu, Jean Lafontaine. Oui, oui. Quand vous passez votre temps à danser, lorsque les échéances arrivent, vous ne savez pas quoi faire. Je vous donne simplement quelque chose de regrettable, c'est sur YouTube. Je m'étais levé en 2012, fait une vidéo pour dire que Kabila y a une vie après la présidence. Et Etienne Tshisekedi de Kabila, donnez-nous la solution qu'on a donnée au Kenya ou au Mozambique. C'est-à-dire, asseyez-vous autour d'une table, l'IDPS prend les gouvernements et rajoute quelques membres de la majorité présidentielle et Kabila reste président parce que c'est ce qu'il souhaitait. Ça s'appelait un dialogue entre les deux, les gagnants et les perdants. Ils n'ont pas pris ça, on m'a dit, vous ne connaissez pas Tshisekedi, vous ne connaissez pas la politique, etc. Aujourd'hui, on réclame ce dialogue, c'est une perte de temps. On parle sur... Les risques de glissement aussi. On parle de... Oui, c'est dans ce but. Hein. On parle de accords d'Addis Abeba, accords cadres, etc. Ça n'a rien à voir avec ce dialogue, d'ailleurs. Non, mais il y a eu les concertations nationales. Oui, les concertations nationales, c'était ces dialogues dont on parle aujourd'hui. Il y a eu 700 recommandations qui ont été non respectées. Et on veut aller au dialogue, c'est juste pour se donner les poids, en fait, se mettre au-dessus de la constitution de notre pays. Alors, et c'est si un projet de droit. Si je pense au niveau de mauvaises langues, les gens de mauvaises langues disent que voilà, Chilombo, avec sa clique, sa bande, pardonnez-moi l'expression, que les gens seront peut-être choqués, disent que voilà, si le vieux venait à mourir aujourd'hui, nous on est largués, donc il faut maintenant. C'est ça. Il faut maintenant là, rentrer et puis créer ces gouvernements d'union nationale, enfin, transition, etc., pour voilà. Vous avez... Amasser, et puis après on s'en fiche, parce qu'on avait gagné les élections en 2011, après, allez, on s'en fiche. Le Congo, allez. Voilà, un très ignoble. Je suis un peu vindicatif contre ces gens-là, mais c'est un peu ça ce qui est dit. Je parlais de la cigale et de la fourmi. Je dirais aussi que depuis la mort de Franco, il n'y a pas eu de concert de Loke Jazz. Et puis il y a un père qui était le parti État. Et donc, à combien de pourcents aujourd'hui et c'est la même chose que Papa Mba Kivé, enfin, on va faire la pensée. Oui. Hein? Oui. Donc, il n'y aura plus de... Mais lui, il a eu la chance d'avoir créé déjà des grandes stars qui font leur nom, qui sont autonomes, etc. L'IDPS va mourir si tu sais qu'il y a du maire. Parce qu'il y a déjà l'IDPS qui bat ça. Moi, je suis un ancien de l'IDPS. Si je fais la campagne avec les amis, tous les sorciers qui sont sortis de l'IDPS, parce que lorsque vous sortez de l'IDPS, vous gagnez les titres de sorciers. Tous les sorciers qui ont fait l'IDPS, tout ce monde-là, nous pouvons former notre équipe pour dire que, ben, écoutez, avec les idéaux d'Etienne Tshisekedi, nous sommes prêts, nous sommes jeunes, nous avons combattu dans ces partis. Donc, tu ne veux pas un ventre potent, hein, je ne peux pas lui donner des qualificatifs. Non, je pose la question. Moi, je m'excuse, je ne prends pas les qualificatifs, je vais simplement dire le problème, c'est que j'étais dans l'IDPS, Félix était peut-être très jeune. À l'époque. Il a encore, et moi, je pense que l'héritage d'Etienne Tshisekedi, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en réclamer. Et il n'y a pas que lui par filiation biologique. Et je dirais que l'IDPS est allé réclamer l'impérium au département d'État. On leur a demandé votre programme. Je me rappelle. Donc, c'est pas simplement quoi votre programme. Apportez-nous d'abord les preuves que vous avez gagné des élections. Oui. Ça. Les premiers éléments au niveau de ce réplique. J'ai tous les rapports détaillés en fait. Enfin bon, on va pas rentrer dans cette discussion. Après, voilà. L'IDPS en 2011 a eu 42 députés qui ont été élus. Et si on prend allié, on est à 115 ou 120 députés qui se reconnaissent de Etienne Tshisekedi et de l'IDPS. Si chacun de ces députés qui ont été élus en 2011 pour 5 ans avait contribué pour 1000 dollars par mois sur les 6000 qui allait leur garantir leur réélection puisque le problème financier n'allait pas se poser, l'IDPS aurait pu mettre de côté une base de 100 000 fois 12, 1 200 000 dollars par an, qu'ils auraient pu... Ce n'est pas des bons gestionnaires, alors, pour ne pas aller loin. Alors dites-moi, pour terminer, on est pris par le temps, parce que j'ai regardé l'heure, donc vous êtes prolixe, c'est bien, très bien, vous avez... Non, mais vous avez de bagou, vous avez tout ce qu'il faut, il y a un bon programme, je suis séduit. Très rare, moi, c'est dû d'ailleurs par rapport à cela. Mmh. Ben, dites-moi, pour terminer, hein, rentrer dans la légèreté, Papa Mba.
Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Je ne vous laisserai pas dire ça. Vous savez, oui, on peut faire plaisir. Vous savez, lorsque j'ai dit que quand quelqu'un meurt, tout le monde veut que sa vie ait été parfaite. C'est-à-dire, c'est ce jour-là que tout le monde se souvient de tes défauts. Ouais. Et beaucoup de choses, de bonnes choses que vous avez faites, on va les passer aux oubliettes. J'imagine, on a vu une méga day de Papa Wemba. Pourquoi cette day a été méga? Cette day a été méga par la manière dont l'artiste a choisi de quitter la terre. Imaginez un seul instant que Bob Marley soit mort sur la scène. Imaginez un seul instant que Michael Jackson soit mort sur la scène. James Brown sur la scène. Barry White. Et tous ces gens-là, le monde entier à Seattle, j'ai vu l'image de Papa Wemba comme ça dans le stade de Seattle. Je me suis demandé c'est quoi la relation entre cet hommage à Seattle et Papa Wemba. Il y a des musiciens congolais qui sont là-bas, de la Frisa. Le manager de Taboulé, le Pressario, il y a son nom qui m'a échappé. Pas mal de musiciens congolais sont à Seattle. Et la question que tu me poses, c'est de parler de Papa Wemba. Papa Wemba, pour moi, c'est quoi? C'est que moi, j'ai eu la chance d'être à Hawaï en 1969. J'avais un grand frère dans la parcelle qui me dit « Ah, yaka !» Et je le suivais, et puis d'être combien d'influence na côté. Normalement, il fait dans la position de Gembo. Na côté, assistant à concert à Zaïko, premier concert à Zaïko. Et puis, quand je deviens adolescent, je fréquente Zaïko, Banakim. Et donc, pour moi, Papa Wemba, Evolo Kojina, Bozi, Fepe, Mavuela, Enoch, on l'examine. On a la Banabana, c'est Enoch d'ailleurs. Nassima. La Nicolouane. Nassima. Bakus Nassim. Nassima, Baraya, Rido. Tobenga, on va yaya. Oya, Josar. Donc, Nebakino, Tobenga, on va yaya. Et sa réaction était. Bon, alors, quand Papa Wemba et ses amis ont quitté les Aïko, les cœurs étaient coupés en deux. Parce qu'il fallait supporter Zaïko à Timagogo, nous l'avons fait, et la création de Issy Philo Kolé. Bon, alors, le jour de la sortie de Issy Philo Kolé, c'était le meilleur jour de ma vie. Tu sais quoi? Tu vas quoi? Tu vois Vadio. Vadio est paralytique. Alors, ça donnait tellement que Vadio a crié pouvoir s'élever de la chaise. Donc, quand on est sorti de là, et cet orchestre s'est disloqué pour créer Yoka Lokolé, moi, je n'ai pas suivi tout de suite Wemba à Yoka Lokolé ou Viva la Musica. En fait, la cassure de Issy Philo, moi, ça m'a dit à partir de Lelo, dans ce protest sous orchestre, mon côté. Donc, à Obé, ta musique n'est bien, je suis derrière. Je suis devenu, en fait, un mélomane. À la fin, et Papa Wemba vient en Europe, s'exile. Bissotosa déjà what. Et j'étais resté chez moi d'ailleurs, dans ma maison d'ailleurs, en 83. J'étais chez moi. Et nous, on est dans un concert à Mouton. Le premier concert. On est dans un concert à Mouton d'Hivernay, il y a à peine 14 Congolais. Et Papa Wemba la micro, mais Alou la bozo binate, Papa Yakaka. J'étais avec les Albert Lumbila, etc. Donc on était obligé de rentrer et donner un peu de notre part. J'ai produit Papa Wemba avec tout son orchestre Viva la Musique en 1986, en étant que. Un doctorant à Metz, et c'était, on avait appelé ça concert de promotion. Et j'étais en Afrique, dans un pays, je vais taire les noms, j'ai rencontré un jeune chanteur qui était le double de la voix de Papa Wemba. Et je suis revenu, je l'ai appelé, je dis, papa, les jours ta voix est cassée, ces jeunes, ils chantent. Comme ils me connaissaient, ils savaient que je venais de la musique, de la famille de musiciens, Yono Sister et compagnie. Et il a pris les petits, c'est celui qu'on peut aujourd'hui dire l'héritage de Papa Wemba qui s'appelle Petit Bokul, Jean-Louis Timba. Et au 50e anniversaire de Papa Wemba, ce garçon était sur la piste, sur le podium, avec Evoloko, Gina, Bozi et lui. Et personne ne voyait Wemba, mais il entendait la voix de Papa Wemba. Quand Papa Wemba est au refrain, quand Papa Wemba est rentré, il a dit « Qu'est-ce que vous en pensez, Paris ?» Paris, tout le monde, les Chagui, le Pétopa, les Chagui, le Mère Malou et autres, ils étaient effolés. Et moi, les jeunes qui sont descendus, ils me disent, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis rien, c'est ce que tu viens de faire qui me paye. En tout cas, Papa Wemba, pour moi, c'était... Alors, je vois... Je vais dire un mot, je vais te brutaliser. Papa Wemba, c'était la simplicité. Un grand frère qui n'a jamais appelé petit. Une certaine simplicité, une cordialité. Ses défauts, je n'en parlais pas. Moi, j'en ai aussi. Alors, pour terminer, vraiment pour terminer, il ne faut pas être long. Hein.
Hein, sinon, je vais pouvoir te couper là. Je dis maintenant, parce qu'on rentre dans le truc simple. Mm. C'est même pas simple parce que moi, dans ma logique, j'ai lancé l'alerte au niveau de Facebook et au niveau de mes articles en disant qu'il y a eu négligence des 24 Abidjan. Négligence au niveau médical, au niveau de la Croix-Rouge. C'est que j'ai constaté et j'ai fait l'article tout de suite et on terminera avec ça. Et pourquoi il n'y a pas eu l'autopsie et pourquoi les organisateurs n'ont pas été poursuivis. J'ai écouté les discours de la fille aînée de Papa Wemba. Je ne suis pas d'accord avec son discours. Mais dites-moi. Moi, j'ai eu Papa Wemba au téléphone quand il est sorti de l'hôpital ici à Paris. On devait se voir, mais mon agenda et les siens n'ont pas pu se caler. Je l'ai encore eu au téléphone dans un day qu'il avait assisté fin mars, juste pour se dire bonjour. Les circonstances de la mort de Papa Wemba, quand on voit que quelqu'un vient de tomber et que vous venez juste prendre le micro et partir avec, vous êtes soulevé aussi d'ailleurs, les soulever aussi, il n'y avait pas en fait le médecin qui devait travailler à l'hôpital de campagne avec un médecin. Normalement, les décès comme celui-là, ils passent toujours par une autopsie obligatoire qui n'a pas été faite. On n'a pas fait l'autopsie, pourquoi? Parce qu'on spécule, les gens spéculent. Ils disent qu'on allait peut-être trouver des traces de ce qu'il a fait tomber. Et ça allait avoir des conséquences énormes. Je ne peux pas tout dire parce que bon, ce n'est pas impossible que même 10 ans plus tard, on puisse faire l'autopsie pour en connaître la vérité, puisque ça s'est fait. Les tissus du corps sont à moins qu'on la fasse disparaître. Mais c'est une situation où même la famille elle est embêtée pour quelle déclaration ils vont faire. La fille voit son père, il est en forme. Pour lui, papa est en forme, mais lorsque nous tombons, on ne sait pas si on est déshydraté ou pas. Toujours une négligence. Donc, la carence de ce que j'ai vu. Je remercie simplement les peuples ivoiriens pour le côté honneur, la manière dont le président Ouattara et les peuples ivoiriens, la manière dont ils ont célébré la vie de Papa Wemba Tshisekedi, ça fait que Kinshasa ne pouvait pas rester derrière. J'ai dit à Papa Wemba de reposer en paix et surtout je souhaite vraiment que Maman Amazon soit la maman de tous les enfants. Sans exception. Les enfants sont pleurés aujourd'hui sans exception, parce que sont abandonnés. Lorsqu'on a pris un homme à son bas âge, cet homme est censé avoir des défauts et puis en plus je vais lancer une pique aux mamans. C'est qui mettent les hommes au monde. Des hommes imparfaits, avec tous les défauts. Voilà, les hommes imparfaits, mais on s'est retrouvé avec un homme extrêmement parfait par rapport à son discours d'aujourd'hui et nous remercions les amis qui sont en face de nous, qui suivent aussi l'émission, et je vous remercie. Vous venez de très très loin, j'étais à l'étranger en recevant ce coup de fil. J'étais heureux de revenir vers Paris pour vous rencontrer et bien entendu de faire cette belle émission combien intéressante. Pourquoi intéressante? Parce que là, vous parlez sans la langue de bois et j'aime des gens qui parlent sans la langue de bois. Quand les gens parlent sans la langue de bois, il y a une vérité derrière. Et quand il y a une vérité derrière, il y a l'homme derrière. Et quand il y a un homme derrière, il y a toute une histoire derrière. L'histoire et l'amour du pays. Vous l'avez démontré ici, l'amour de la RDC, l'amour de la patrie. Parce que la RDC, c'est autre chose. La patrie, c'est autre chose. La nation aussi, c'est autre chose. Vous combinez l'ensemble de tout ça. Vous ramenez un programme que... On a survolé légèrement ce programme, on aura le temps d'approfondir cela. Merci infiniment et je dirai merci. Et bon retour chez vous aux États-Unis. Et ramenez-nous un peu la gaieté américaine en RDC. Je dirais simplement un mot, gardez l'espoir intact parce que notre pays va se remettre debout. La renaissance du Congo va avoir lieu. Roger Bongo, c'est là, il a prouvé dans son domaine. Merci Africa Rédaction, je souhaite encore plein de succès. Et c'est sûr, on va se donner rendez-vous au pays. Oui, bien sûr, sans bien entendu qu'on soit corrompu. Donc on travaillera avec peu de moyens. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Allez. Merci.